Et salut à tous les amis, c'est pas David Lafarge Pokémon, ni Newtiteuf dit NT, mais c'est Antonin sans H. On se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Online. Ok, ça s'en fout. Et on va jouer en mode... Ah non, j'ai pas débloqué mon cadeau. Attends, je veux mon cadeau. Allez, merci. C'est peut-être un peu fort le son. Qu'est-ce que c'est? Merci. Allez, on va jouer en versus. Et la dernière fois, j'avais utilisé le deck sommet vertigineux. Et là, j'ai bien envie d'utiliser le deck à thème gorithmique. Parce que, j'aime bien le deck à thème gorithmique. Je l'ai un petit peu joué, pas sur le jeu, mais en... Ah si, sur le jeu aussi, en mode championnat, là, les trucs de base. Et surtout, je l'ai un peu joué en carte, en vraie carte à jouer. Allez, face. Et bim, on a perdu. Flynn VD. Allez, Flynn VD. Flynn VD a choisi. Ok. Alors, on n'a pas des cartes de fou. Ça peut être pas mal. On va mettre ça là. Et puis un Doudou V après. Le Marakachi, il a piquant puissant qui peut être pas mal. Il peut faire quand même pas mal de dégâts. Hein. En gros, ça met, on lance une pièce pour chaque énergie qu'on a et ça va faire 60 de dégâts par côté face. Et ça... Ah merde, je me suis trompé de carte. Mince. Mince. Ok. Bon là, on a de la pioche, c'est cool. Moi, ce que j'aurais bien aimé avoir en réalité... Ah oui, je peux pas piocher, c'est le premier tour. J'ai pas les cartes que j'aurais aimé avoir. Hein. Ça, c'est pas mal en début de partie aussi pour un peu ralentir l'adversaire. Peut-être qu'on le fera. La chevauchée cotonneuse, lancez une pièce. Si c'est face, votre adversaire mélange avec son deck, son Pokémon actif et toutes les cartes attachées. Donc, ça casse complètement son plan de jeu, quoi. Donc ça, c'est cool. Et nous, ce qu'on veut, c'est en début de partie, c'est blanc coton. Pour pouvoir... En fait, il a une attaque qui coûte 1 qui permet de piocher les énergies, de les attacher à des Pokémon de banc. Et en Pokémon de banc, faire un énorme gorithmique qui va mettre des patatas dans la bouchasse de l'adversaire. Et le problème, c'est qu'il a des Pokémon feu et moi, je suis faiblesse feu. Donc, on n'est pas très bien parti, les gars. C'est pas bon pour nous. Ah voilà, c'est celui-là que je veux. Hop là. Et on va mettre par un petit bzzz. Ah, pas mal. Bien ça. Ça commence bien ça. On a eu de la chance sur le premier jet de dés. Ah, on a une petite potion, c'est bien. Ok, autour de l'adversaire. Là, il peut mettre 20 dégâts. Ah, attends, il me défausse une énergie feuille. What? C'est claqué! Bah, je crois que je vais lui remettre une énergie après. Hein. Il va commencer à faire des gros Pokémon. Ça, c'est quoi ça? Ça va me faire mal ça. Parce que ça, au prochain tour, si je tue sur la créature, il va me la mettre. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Est-ce qu'il faudrait pas plutôt que je mette ça ici? Ouais. Sauf que si j'ai pas de chance. Ouais, là c'est dur. Soit je mets ça pour préparer pour le prochain tour. Ce qu'il va me mettre lui, il va me tuer. Soit. Ouais, je vais faire ça. C'est beaucoup plus sécur. Et je vais piocher des cartes. Même s'il y en avait des cartes intéressantes, il faut faire rouler le deck pour aller chercher les cartes dont on a besoin. Et là, je vais prendre mon petit badabouin pour faire évoluer mon Whistempo, évidemment. Il va falloir commencer à lui mettre des énergies après, parce que là, sinon on n'est pas bien parti. Allez, avec un peu de chance, on fait deux faces. Bon, raté. Oh, les zéros. Oh là 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 là. Oh, la catastrophe. Oh, la catastrophe. Que vas-tu faire, Flynn VD? Bon, je suis pas bien parti. Hein. J'aurais peut-être dû garder le deck sommet vertigineux. Hein. Petite Cynthia pour piocher. Ah, il avait peut-être pas d'énergie. Hein. Ça veut dire qu'il avait pas d'énergie. Oh.
Oh oh. Oh oh. Bon, déjà, il peut pas nous mettre deux dégâts, mais alors nous, on va galérer à lui mettre, à lui en mettre. Hein. Ouais. Ouais. Ah, il s'est débarrassé d'une énergie feu. Ok. Bon, il attend que ça de pouvoir me mettre lui, hein. On va aller piocher des cartes. Ah, on a un petit Gorithmique. Ça fait plaisir. Donc, je vais faire évoluer en Gorithmique. Je vais lui attacher une énergie. Et je vais faire bah, ça. Hein. Avec un peu de chance. Ah, mon 60. C'est pas mal, c'est pas mal. Là, on n'a quand même pas l'avantage. Hein. On n'a quand même pas l'avantage. Quand il va commencer à me faire des attaques, ça va piquer direct. Parce qu'en fait, il va attendre de grossir ces Pokémon-là. Ouais, voilà. Vais d'abord piocher. Ah, je vais pas avoir mon. Ah, Ronflex. Ah. Ronflex, il peut pas mal tanker ses Pokémon. Hein. Après, je suis là, il va faire des dégâts de ouf. Je vais quand même le jouer. Je vais quand même mettre des points, des énergies là. Et je vais tenter le. Ah, mon 60. Ok, il est pas mort. C'est bien. Tant mieux, parce que comme ça me laisse du temps pour pouvoir monter Pokémon. Parce que comme j'ai pas pu faire mon Blancoton. L'évolution de Tournicoton, donc je peux pas. Oh là là, oh là 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 là! Il est énorme! Faudrait que j'ai un truc pour le virer, ces trucs-là! Ou alors faut que je le tue lui pour qu'il vienne là, pour que moi après il me le tue, puis moi je mette mon Gorythmique pour lui. Pour le l'achever quoi. Donc j'ai mon Blancoton déjà, c'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce que je lui mettrais pas une énergie du coup? Ouais, je vais lui mettre une énergie. Et on va partir là-dessus. Voilà. Donc là, c'est là que ça va. Que le tournant de la partie s'effectue. Car il va pouvoir me mettre son gros Pokémon. Voilà. Et il va me faire des dégâts de ouf. Il va retirer 3 énergies. Donc ça veut dire qu'au tour d'après, pour pouvoir me faire 150 dégâts, parce que sinon il fait que 100, il me le tue pas, vu que je suis à 110 points de PV de vie. Ah ok, donc il en restera 3, donc il pourra quand même réattaquer au tour d'après, ok. Vas-y. Bon, il mise tout sur un Pokémon, hein. Ça veut dire que si je lui tue, si je lui tue, il est quand même pas tip top fifou, quoi. Allez, à moi. Je vais mettre mon Blancoton. Et il ne s'y attend pas, évidemment. Je vais prendre un Poké Enfant. Je vais aller chercher un Badaboin. Comme ça, je vais me faire un autre Gorythmique. Je vais faire bam. Boum. Au cas où il me le tue, je vais aller chercher Gorythmique. Je vais me mettre une petite énergie feuille sur Gorythmique. Et je vais faire ça. Je vais aller prendre 3 énergies. Choisissez le Pokémon auquel attacher l'énergie feuille. On va en mettre une là. On va en mettre une là. Et on va en mettre une là. Comme ça, je vais avoir un Ronflex des familles. Bon, l'avantage que j'ai sur lui, c'est que je commence à avoir deux gros Pokémon et lui, ce n'est pas le cas. Et il va devoir sacrifier ses énergies encore pour attaquer mon Blancoton et il va devoir en sacrifier deux. Voilà, donc là, il ne pourra plus rien faire au tour d'après. Et moi, je pense, je vais plutôt mettre mon Ronflex, il me fait du 130. Hein. Et j'aurai pas la faiblesse feu. Et ça, c'est bon. Alors, je vais mettre ça là. Je vais évoluer lui. Je vais mettre un petit Badaboin quand même. Et je vais faire un gros impact. Boum. Je pense qu'on est peut-être un peu revenu dans la partie là. Avec notre Ronflex.
On va peut-être être pas trop mal. Parce que là, il va peut-être galérer à me le tuer. Hein. J'ai pris beaucoup de tempo avec le blanc coton. Hein, vous avez vu. C'est la folie. Donc lui, il peut me faire 20 dégâts. Le Pokémon actif de votre adversaire se met à brûler. Brûler, donc je suppose que ça fait 10 dégâts par tour. Je ne suis pas sûr, mais je crois. Ah, il évolue, il a un talent. 30 dégâts supplémentaires au Pokémon actif de votre adversaire avant application des faiblesses. Ah ouais, quand même. Ok, vous ne pouvez pas utiliser le talent, machin, et acclamation à la fois. Bon. Ok, j'ai pas compris. Ah! Dégâts augmentés. Il m'a fait 120 le bougre. Ça pique. Ça pique. On va les piocher. Toujours. On va aller chercher des cartes. Mélanger votre deck jusqu'à. Des cartes énergie, oui. C'est mieux. Hein. On va en avoir besoin. Merci. Alors, c'est quoi le mieux là? Est-ce que c'est quand même pas de faire ça? De faire ça? Et de faire un gros impact. Voilà, il va me le tuer, mais j'ai un gorithmique de secours. Ah, ça va être tendu cette game. Hein. Oh. Ah oui, il récupère pas mal d'énergie. Le problème, c'est que là, après, mes gorithmiques, ils ont faiblesse feu, quoi. Même s'ils ont 190 points de vie, s'il me fait des 120 comme lui, là. Oh là 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 là. Ça tape. Ça fait mal de ouf. Bah, gorithmique, hein, toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais. Alors, on va faire... ça, on s'en fout, on va continuer comme ça. Là, je vais pas faire tambour battant parce que je le tue avec roulement de tambour. Donc, je vais juste faire roulement de tambour. Hop. Donc, je vais mettre une sur Gorithmique là. Et je vais piocher des cartes pour pouvoir renouveler parce que j'ai plus qu'une énergie. Donc, j'espère en avoir plus d'une. Voilà, bon, très bien. Je vais aller chercher une carte pour piocher. Voilà, parfait. Et c'est tout. Hop là. Voilà, en plus on fait 10 points de dégâts à tous les adversaires sur le banc. Et ça c'est ultra efficace. D'une efficacité sans nom. En plus il a de l'énergie nulle part. C'est très bien. Là je pense que je suis pas mal. Hein. Malgré que j'ai la faiblesse, je m'en sors très bien. Ok, il pioche. Elle pioche. Flinvidi. Alors, que vas-tu faire, Flinvidi? Elle ne fait rien. Elle n'attaque pas. Très bien. Donc, elle a 10 points de dégâts. Oh là là. Ça va être une tuerie. Regardez, je fais ça. Parce que là, 90 points de dégâts, je le tue aussi. Et en plus... donc j'ai pas besoin de faire mon... Parce que le tambour battant je peux l'utiliser qu'une fois. Mais au tour d'après je ne peux plus l'utiliser. Et donc ça me permet de pouvoir augmenter lui en mettant une énergie ailleurs encore une fois. Et donc on va refaire tambour battant et mettre 10 points de dégâts à tout le monde, vous rendez compte. Ça fait comme si on mettait 140 points de dégâts. Et j'ai plus qu'une carte récompense à récupérer. Je pense vraiment que je suis très bien parti. Je ne me vois plus perdre. Que vas-tu faire, Flinvidi? Vas-tu abandonner la partie ou vas-tu te battre jusqu'au bout? Oh, tu te bats jusqu'au bout? Eh bien, je te ferai l'honneur de gagner avec un tambour battant, évidemment. Ah, va chercher des cartes. Que vas-tu chercher? As-tu un espoir dans ton deck? What? Elle m'a éclaté.
Heureusement que j'avais prévu un gorithmique de rechange. Évidemment. Hop. Je ne vais pas te faire poireauter plus longtemps. Tambour battant. Terminé, bonsoir. Au revoir, Folinvidi. J'ai gagné malgré la faiblesse. Ça fait plaisir. Ok. Oh oh. Victoire 1. Ok. Victoire 2. Oh, on va débloquer un coffre? Non, Ah, j'ai deux coffres à ouvrir. Ah oui, c'est vrai qu'on m'a dit dans les commentaires que les coffres, fallait que je les ouvre. Je ne sais où, là. C'est là-dedans? Non? Où est-ce qu'on ouvre les... C'est dans les cadeaux? Où est-ce que j'ouvre les coffres? Je ne sais pas où on ouvre les coffres. Ah, les coffres, ils sont là. Allez, on va s'ouvrir des petits coffres. Bonsoir. Alors, des Pokédollars et une carte type 0. Ok, un petit type 0. C'est un Pokémon légendaire, non, type 0? Non, je crois, je sais plus. Ok, un autre. On ouvre un autre. Hop. 5 Pokédollars, et ben, et une carte cachée. Un Lézargus, ok, très bien. Je crois que j'en ai plusieurs déjà. Hein, donc, bon, on va pas non plus. Allez, dernier. 5 Pokédollars et Erika. Très bien, merci pour Erika. J'ai rien à ouvrir là. Oh, allez, on s'ouvre un petit booster. Pour faire plaisir. Normalement, je les ouvre pas parce que c'est des trucs qui sont échangeables, ça. Hein. Mais bon, allez, pour faire plaisir. J'espère avoir une carte de fou. Bon, déjà, j'en ai qu'une. J'en ai qu'une cachée, déjà. J'ai ça qui est nouveau, je ne connais pas. Et, attention, révélation. Un Torgamore. Mais c'est basique, ça. Rien de fou. Tant pis. Tant pis, tant pis. Eh bien, écoutez, les gens, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai fait une petite partie, je pense que vraiment elle était très intéressante cette partie car bah, elle était compliquée car elle n'était pas à mon avantage. J'ai réussi à me débrouiller en faisant bien rouler mon deck, etc. J'ai pas une sortie de fou, j'ai eu une sortie normale. Donc vous voyez, le deck chorythmique, il a l'air vraiment puissant. Sur ce, bah, je vous laisse. J'espère que ça vous a plu, dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et mettez la cloche aussi, hein, ça c'est important. Donc je vous laisse. Ciao !